Au moins 29 personnes, dont 3 policiers, ont été tuées dans un attentat suicide près d'un bureau de vote de la ville de Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan. Plus de 40 autres ont été blessés. Des responsables disent que le bilan des morts pourrait encore s'alourdir, 5 blessés étant dans un état critique. Les Pakistanais se rendaient aux urnes pour une journée d'élection générale. Les résultats sont attendus dans quelques heures et le vainqueur devrait être annoncé jeudi. Plus de 300 000 membres de la sécurité avaient été déployés pour surveiller les bureaux de vote. Les Pakistanais élisaient les 272 membres de la chambre basse du Parlement ainsi que les 4 assemblées provinciales.